On est dans une street culture en fait, voilà, aussi simple que ça. Et moi j'étais là au début, c'est-à-dire voilà. Qu'au début des années 80, j'étais tout jeune, mais j'ai été bercé là-dedans. Je suis assez fidèle à ça et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et en même temps, je trouve que c'est un vrai background, quoi. C'est un truc important d'avoir cette culture street dans laquelle j'ai été bercé. Ok mes BG, nouveau LSDLV pour bien débuter ce mois d'août. Et aujourd'hui, on va dans le 92, à Issy-les-Moulineaux, pour rencontrer Cyril, 45 ans. Un nouveau profil pour nous puisque c'est un collectionneur de basket depuis 25 ans. Absent des réseaux sociaux, ou plutôt caché des réseaux sociaux. Il collectionne des vintage de toutes marques, un vrai retour en arrière. Il collectionne aussi les objets d'art, les toys, bref, j'ai vu des vrais trucs. Un ancien avec beaucoup de savoir. Bonne émission à tous, Méné, Babinx. Ok, Méné, on se retrouve pour un LSDLV. Aujourd'hui, on est avec un ancien des anciens des anciens, Cyril, 45 ans. Et tu c'est travailles ça. Dans une boîte de graphisme à Issy-les-Moulineaux. Exactement. Aujourd'hui, ici, on n'est pas chez lui, mais on est dans sa boîte. C'est là où tu entreposes tes paires, tes toys, tes trucs. Ponctuellement, ouais. J'ai mes toys, j'ai mes baskets. Donc c'est un peu chez toi, quoi. C'est ça. Cyril, ce que je vais te demander aujourd'hui, c'est de me guider dans ces deux salles. C'est ça. Et de nous montrer tout ce que tu as, parce que je peux vous dire qu'il a beaucoup de choses. J'ai vu que tu as beaucoup de paires vintage, parce que ça fait combien de temps que tu. Ouais, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans qu'il collectionne. Pas comme nous, ça fait 25 minutes. Tu vois ce que je veux dire? T'entasses beaucoup de choses. Là, on a un petit aperçu ici. Ouais, là on a un petit mur, on a un petit mur d'un artiste que j'aime beaucoup qui est Michael Lowe, et j'ai eu la chance de pouvoir récupérer certaines de ses pièces. Et ce qui est cool, c'est que j'ai réussi à faire signer Michael Lowe sur certaines des pièces qui sont ici, donc c'est très très cool. Michael Lowe, c'est un artiste hongkongais. Alors il est pas très très connu en France, il y a pas beaucoup de gens qui collectionnent du Michael Lowe en France, mais pour le coup ça reste confidentiel. Mais franchement, ceux qui connaissent savent qui est Michael Lowe. Ouais. Puis si tu collectionnes des compagnons coach, je pense que tu peux collectionner ça, c'est exactement très sérieux, ça fait partie. Je suis très fan de Art Toy et un peu de pop art aussi, mais pop art nouvelle génération. Tous les nouveaux artistes actuels, que ce soit Gondek ou des choses comme ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Ici, on a un petit exemple avec André Saraiva et son fameux Monsieur A, où on a quelques petites pièces assez sympathiques. Ça, c'est stylé. Il y a qu'une partie de sa collection. Il faut savoir que c'est le genre de mec qui est dans le groupe où il a des box. Il garde plus les trucs chez lui, c'est directement dans des box. Donc vas-y Cyril, je te suis. Allez, c'est parti. Je te follow. On y va. Et là, ça va discuter. Donc là, bienvenue chez moi, bienvenue où j'entrepose une petite partie de mes paires. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a, beaucoup de vieilles boîtes. Ouais, il y a beaucoup de vieilles boîtes. En fait, moi, je suis pas un collectionneur focalisé sur une marque spécifiquement ou autre. Je collectionne ce que j'aime. D'accord. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, il y a des paires portées, des paires pas portées. Il y a plein de choses. Bah là, ici, il y a quand même pas mal de vieilles boîtes. C'est vrai que, par exemple, voilà, ça, par exemple, c'est tout à fait le type de paire que j'aime. On est sur de la vintage milieu des années 80. Voilà, ça, c'est une paire que j'affectionne particulièrement. C'est quoi le nom ? C'est une Diablo, une Lady Diablo. Voilà, ça, c'est 83, si je ne m'abuse. 82. Voilà. On est en 82. Et toutes les paires qui sont ici présentes, en fait, c'est des paires à ma taille. On va se dire la vérité, aujourd'hui, la qualité des paires qu'il y avait milieu des années 80 ou 80 n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. À l'époque, une paire coûtait quand même relativement cher. Ça a toujours été cher, en fait. Aujourd'hui, quand je vois qu'on achète des paires et que ça coûte 120, 130, 150 euros, et encore, je parle de premier prix, parce qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à partir à 180, 200 euros les paires. On commence à rentrer dans des choses qui sont quand même assez invraisemblables par rapport à de la fabrication chinoise, c'est évident. Ah ouais, clairement. C'est pour ça d'ailleurs que moi je me reroute aussi vers d'autres choses. Okay. Voilà, j'ai tendance à partir sur des paires plutôt peut-être pas forcément Nike, parce qu'aujourd'hui Nike en termes de qualité ça reste quand même assez relatif, mais j'aurais plutôt tendance à aller sur des paires un peu, enfin aujourd'hui pas hype, mais qui en termes de qualité et de confort sont vachement bien. Après, bien évidemment, j'ai pas échappé à la hype. Pour prendre un exemple de paire que j'aime beaucoup et où on est un peu. Aujourd'hui, on est quand même pas mal dans le rétro des paires vintage. Ouais. Mais donc, toi, ça quand te parle, on regarde. Du coup, parce que t'as moi, ça, je suis ravi que ça arrive. Là, par exemple, on a une petite LDV Sakai. Voilà, ça, par exemple, on est typique dans le phénomène de la paire rétro très cool. Okay. Avec un shape qui me plaît particulièrement. Nouveau modèle, brand new, ça sort du four. Voilà, par exemple, on va aller là. Et c'est pareil, on est en LDV. Okay. Là, par exemple, c'est une LDV, c'est 99. Voilà, on est en plein dedans. Est-ce que cette matière-là, ouais. Il y en avait à l'époque ou pas?
Écoute, j'ai pas souvenir qu'on avait ce type de matière. Okay. C'est pareil, tu vois, cette matière dont tu me parles là, bah c'est par exemple ça que j'ai copé aussi très récemment. C'est pareil, on est dans les mêmes. Là, on est sur de la Tailwind. Tailwind, c'est vraiment des paires un peu vintage, tu vois. Donc, ils nous ont introduit ce système de paires un peu micro-aérées. Très agréable à porter avec les vraies semelles vintage. Moi, c'est ça que j'aime. Ils ont réussi plus ou moins à conserver le shape de l'époque. Donc, c'est assez sympa. Parce qu'il y en a qui disent au bureau, monsieur Sean, que ça, en gros, ça tiendra pas dans le temps. Ça tiendra pas dans le temps. C'est une évidence. Bon, merde. C'est pas des paires qui sont faites pour durer, c'est des paires qui sont in, qui sont esthétiquement, qui restent relativement jolies. Hein. Mais c'est chiant. Parce qu'au final, là, cette paire retail, c'est 160. 160, ouais. Ça veut dire que tu dis, t'achètes une paire 160 qui est très jolie avec un design. Mais on incroyable. Va arrêter. Regarde la série des Nike Off-White sorties récemment, les toutes premières éditions. Enfin, les personnes qui les portent, au bout d'un mois, la paire, elle est défoncée, elle est morte. Il n'y a pas de volonté de durer dans le temps, en fait. Il y a un système de collaboration avec des artistes. Mmh. Très bien, je respecte ça. C'est par contre, l'instant T. Sur l'instant T, ils veulent faire du buzz. Ils font ce que Nike sait très bien faire, c'est-à-dire réussir à sortir des collabs pertinentes de manière assez limitée pour qu'il y ait de l'envie. Et derrière, revendre de la Air Max 90 ou revendre éventuellement de la Jordan 1. Là, on est en plein revival de la Jordan 1. La Jordan 1, elle est à la mode cette année. C'est une paire... Bon, alors, elle a jamais été vraiment délaissée, la Jordan 1. Non, et j'en sais quelque chose parce que je suis un grand aficionados de la Jordan 1. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément et auquel j'adhère à 100%. J'ai plutôt tendance à aller, moi, sur de la rétro, sur de la vraie vintage, voilà. Alors là, c'est des paires, mais c'est les rétro, c'est les premières rétro, par exemple celle-là, qui est de quelle année? Ça, c'est 85, c'est donc les OG. C'est vraiment les OG. C'est OG, les toutes OG. Premières. Et ça, ils portent. Ouais, ça porte sans problème, ouais. Tu vois, et franchement, tu vois, voilà, on parlait de qualité, regarde, 85, la paire. Voilà. Là, on est dans 85, là aussi, on est dans la bread, hein. Bah, c'est là où t'as tout a commencé. En fait, aujourd'hui, si on est des milliers à être là-dedans, c'est là, quoi. C'est ça, c'est celle-là. Avec les anciennes boîtes. Avec les boîtes, donc ça c'est la boîte de la 94, elles, c'est ça. Elles avaient du flow. Hein. Ouais, elles regarde, ça c'était cool, tu vois, ça c'est les cartes qui étaient filées à l'époque avec. Ouais. Et après, bah, mets ton nez dedans, moi ce que j'aime aussi c'est ça quoi. C'est-à-dire, c'est qu'on est en plein dans le... non, mais c'est assez cool, avec les vieux papiers. Alors après, les boîtes tiennent pas, elles ont jamais vraiment tenu. On va prendre celle-là, on va en parler. On va en parler parce que l'histoire dit que il l'appelle la banette parce que il aurait joué avec et il aurait pris des amendes. Maintenant, nous, on a un doute dessus, tu vois. En fait, un jour, on est tombé sur une photo et genre, on cherchait des photos où il a joué avec. Ouais. Alors déjà, il n'y a pas de vidéo. On voit pas de vidéo où il est sur un match de Chicago Bulls avec cette paire au pied, on n'a pas. Ouais. Et on a trouvé une photo où il est dans une position, tu vois, et il a cette paire. Ouais. Et après, on trouve une autre photo. C'est la même photo, il a la même position. Mais c'est pas la même paire. Mais il a la Chicago. Alors la question, c'est est-ce qu'il a vraiment joué avec ? Alors, je t'explique. Ou est-ce que c'est le plus gros coup marketing de l'histoire? Alors, il y a un coup marketing. Après, on va se dire la vérité. Donc, en 85, quand Jordan va porter... Enfin, c'était même 84, je crois. Quand il a commencé à la porter. En fait, ce qui était interdit sur les terrains de basket, c'était les paires bicolores. L'histoire, en fait, de la banade, c'est le fait que Nike payait une amende. Et donc, Jordan, lui, on lui disait non. On paye les amendes, porte la basket. Et donc derrière, c'est ce qui a fait que cette paire... Donc c'est autant, ça peut autant être celle-là que celle-là. Ouais, je sais pas. Moi, je pense que celle-là, moi j'ai vu des images avec ça. Ouais, mais moi je pense que c'était là. Si tu veux, en gros, en 85, ce qu'on sait pas, en fait, on croit qu'en 85, il y a que cette couleur qui est sortie. Or, en 85, il y avait pas mal de... 7, 8, 10 coloris qui sont sortis. Donc celle-là qui est moins connue, enfin elle est surtout connue là. Il y a une release là, ils l'ont ressorti, il me semble. Ouais, alors elle est surtout connue en fait, ce colorway, pour ce qu'ils ont fait là avec les Union, où ils ont pris le haut en fait. Ok. Voilà, c'est là en fait où on sait que ça, où ils ont fait les mix match de paires. Donc ça c'était un coloris OG, bien évidemment coloris OG. Après il y avait toutes les métalliques, il y avait les black and white, tu vois le coloris panda là qui est sorti, il existait en fait en coloris 85 OG. Avec un mec à Châtelet, il les avait. Hein. Voilà, tous ces coloris existent. Donc après, moi je te dirais oui, l'histoire j'y crois, j'y crois vraiment parce que c'est un coup marketing fort. Après encore une fois, en fait c'est un coup marketing. En fait c'est ça. Ça fait partie. Moi je trouve ça cool parce que ça fait partie de la légende. Ça fait, quoi. Bien sûr, mais de fou. Après nous on crache pas là-dessus, c'est juste qu'on dit c'est que genre tu sais, tu retrouves des anciennes images de Larry Bird, des conneries. Ouais, bien sûr. Et nous ce qu'on veut c'est une vidéo où il a ça au pied pendant un match officiel. Et ce qui nous a tué le plus c'est la photo. Ouais. Que ce mot il a pété un câble. On est arrivé, on a dit mais attends, c'est la même photo. Et tu voyais, il avait genre avec le même mec qui défendait. Il avait, mais c'est pas la même paire au pied. Et c'est pas la même paire au pied. On s'est dit attends, ils sont arrivés au fait de faire des montages photos de l'époque. Tu veux que je te dise, on va arrêter. Nike, ils ont toujours été forts en com. Ah ouais, bah alors là. Voilà, là on est en plein dedans. Ils ont en fait, ils avaient 20 ans d'avance là-dessus.
Ah Nike, ouais. Je suis un grand aficionado en fait des petits toys et des trucs Nike. Et moi j'aimerais parler de ça. Ah ça c'est. Alors ça faut savoir, il m'a dit ça a pas de prix. Ça, en fait c'est le prix que tu veux bien mettre dedans. Sur eBay aujourd'hui je crois qu'il y en a un en vente en ce moment, c'est 1 500 €. Voilà. Pour ça, ça vaut pas 1 500 €. C'est un bouquin qui est sorti en 2000 à 2000 exemplaires. En fait c'est numéroté. Là j'ai la chance d'avoir le numéro 1970, donc c'est assez cool. Et toi t'as le numéro 1430. Voilà, donc ça en fait à la base c'était fourni dans une boîte qui reprenait un petit peu cette paire, je crois, c'était ça. 2000, ça doit être ça. Ouais, ça c'est 99. Donc c'était une boîte comme ça qui prenait le package et derrière c'était livré avec une boîte, en fait comme une boîte de chaussures Nike que tu ouvrais. C'était donné uniquement aux sportifs Nike, aux représentants de la marque, et c'était donné en friend and family peut-être à des shops ou à des gens qui étaient proches de gens de chez Nike. Et donc ça a jamais été vendu. Et toi t'en as deux. Et j'en ai trois. J'en ai deux là. Quand il parlait de ça au téléphone, il m'a dit, j'ai un livre aussi très cool, 2000 exemplaires, bon j'en ai trois. Voilà, et en fait j'en ai pris trois, pourquoi? Parce que j'ai deux petits garçons, et pour le coup on en a un chacun. À 18 ans ils auront leur petit bouquin. Voilà, il y en a qui ont des Rolex, moi je donne un bouquin, irrévérence justifiée. Du coup d'ailleurs comment, parce que t'es un papa, ouais. t'as deux enfants. Ouais, j'ai deux petits, ouais. C'est deux petits garçons, c'est ça? C'est deux petits garçons, ouais. Est-ce qu'ils portent des baskets? Ouais, ils portent moi, des baskets. Je les ai vu la dernière fois, je me faisais tatouer, il a débarqué, il avait une paire de Jordan 11 je crois. Ouais, c'était une Gamma Blue, ouais, il me semble, comme ça. Ouais, exactement. Comment eux ils voient en fait ils vivent ça de manière assez cool en fait, ouais. Ils sont pas trop, enfin si ils sont un peu demandeurs là tu vois à l'école. Alors moi je suis pas un grand fan de ça, mais à l'école ils sont il y a beaucoup d'Yeezy aujourd'hui, là il y a eu toute la série des Yeezy Junior qui sortent et Baby, donc voilà, ils me disent papa on aimerait bien avoir une paire de Yeezy, et moi je leur dis mais non ça va pas être possible quoi, enfin ouais. J'ai réussi à cop au retail, donc oui je leur ai pris, ouais. Mais après c'est pas du tout le type de paire que j'ai envie qu'ils portent. En fait, je pense qu'aujourd'hui, la hype, c'est de toute façon, voilà, hein, la hype, c'est ce que c'est, on est en plein dedans, la hype, c'est passager. Aujourd'hui, on est en train d'acheter des paires qui valent des fortunes, beaucoup de gens achètent des paires qui valent des fortunes, et accessoirement, aujourd'hui, en junior, en plus, il y a énormément de vintage qui circulent, ou des très belles paires qui sont hyper confort, qui vont pas leur niquer les pieds, ils sont petits, c'est important. Ah oui, bah et oui, pour le coup, voilà, c'est assez cool. Regarde, là, j'ai une paire très très sympa, que j'avais topé pour mon petit, boîte très cool, ça vaut 50-60 €, hein. Ouais. Tu vois, on est dans des paires. On n'est pas dans la hype. On n'est pas dans la hype. Merci Driss, il se reconnaîtra. Ah, Driss, ouais, bien joué. Et donc ça voilà, là on est, si on regarde en fait, on est sur une paire style un peu Converse, tu vois. Mais on est chez Nike. Et en même temps, c'est la même maison, donc tout va bien. Ça a l'air confort de fou. Hein, mais c'est confort de fou. Comment c'est rembourré et tout ça. Tu vois, ça on est confort de fou. Et voilà, moi je vais préconiser ça, tu vois. Ça, c'est une histoire qui est assez marrante. On s'attaque à un mec que j'aime énormément. Ça va parler aux anciens, hein. Les jeunes, ouais. Ils doivent pas le connaître. Mais ce mec-là a battu Jordan dans un dunk contest, c'était en 83. Et pour le coup, c'est un mec qui s'appelle Dominic Wilkins. Donc je pense que oui, ça va parler à des gens. C'est très simple, hein. On est dans l'exemple de la paire qui ne vaut rien. Attends, est-ce que c'est beau? Mais moi, je trouve ça assez cool quand même. Grande dédicace à mon ami Étienne Malaquin au Japon. Amen. Voilà, moi, je suis là-dedans, quoi. Moi, j'aime beaucoup ça. Après, je vais te dire la vérité, hein. Moi, si je suis dans la basket, c'est pas par hasard. Moi, je suis né en 74. En 74, il y avait rien. Ouais. Donc, on va dire milieu des années 80. Tu mettais des souliers, quoi. Ouais, non, milieu des années 80. Moi, je faisais du tennis et ma mère, elle m'achetait une seule et unique paire. Ouais. Une seule et unique paire. C'était une putain de paire de Nastase. J'ai mis ça toute ma vie de 8 à 13, 14 ans, année où j'ai pu acheter ma première vraie paire avec les salaires que je me faisais sur les marchés où on était payé 50 francs à l'époque ou 60 balles. C'est pour te dire que ça remonte à quelques années. Je crois que ça a 7-8 ans cette paire là, okay. Mais la paire en elle-même, je crois que c'est Omnizone, donc Omnizone je crois que ça doit être 89, je sais plus exactement. Et pour le coup il y avait une pub magistrale avec Dominic Wilkins qui avait une paire d'Omnizone à la main, et d'un autre côté il avait une paire, ah ouais putain Nick on va la raconter cette histoire, et il avait une paire de Nike à la main. C'est une pub qu'on trouve sur YouTube qui est assez drôle, et en fait il dit qu'il n'y a pas mieux que ça, et il prend la paire de Nike et il la jette. If you wanna fly first class, pump up and air out. Chose impensable aujourd'hui de faire un truc pareil. Nike, faut avoir des... Et il s'attaquait à Nike, et pour le coup, c'était super cool. Et après, je pense que il s'appelle Dominic Wilkins, donc il a niqué derrière. C'est peut-être une petite accolade à notre ami Nike, hein, qui peut-être a pris quelque chose. Voilà, donc ça, c'était une collab Packer Shoes, célèbre shop américain. Il y avait 240 ou 250 paires, ça c'était la Friend and Family sur ce coloris. Et je me suis pris la noire, voilà, parce que je trouve que c'est quand même assez cool. Alors la noire, elle est peut-être plus... Ça
ça, la limite. Ça, la limite. Mais c'est la limite. Ça, pour le coup, j'ai porté, alors pas beaucoup, hein, mais c'est assez marrant, je trouve. Et quand tu portes, tu gonfles ? Non, bah, ça marche plus, je crois. Je crois que ça a jamais très bien marché, de toute façon. Je l'en doute fort aussi, pareil. Du coup, maintenant, on va aller à côté. Ça, c'était la première salle. On va passer à la deuxième salle. En avant, Cyril, on te suit. C'est par ici. Alors, déjà, une vitrine, encore une fois, avec beaucoup, beaucoup. Donc, il y a une lumière rouge comme à Amsterdam. Voilà. D'un artiste fort connu, hein, qui est Piet Parra. Donc, qui est un artiste fort connu et de renommée internationale. Surtout pour ses collabs Pata Parra et des choses comme ça. La dernière fois, on avait parlé au téléphone et tu me disais que t'aimais bien Banksy aussi. Ouais, je suis un grand fan de Banksy, on va voir ça. Il y a eu une petite expo à Amsterdam il n'y a pas très très longtemps. Et j'ai réussi à choper la fameuse petite planche qui a été découpée en morceaux. Après, là, on a le Banksy, la pièce la plus connue de chez Banksy, okay. Et celle-ci un tout petit peu moins, Keep It Real, qui est un tout petit peu moins connue. Et après, il y a aussi un mec dont je suis très très fan, c'est ça. C'est ce que je regardais, ouais. Et il est terrible le tableau. Ça, c'est un Français qui fait ça, c'est un mec qui est vraiment bon. Il s'appelle Dektou, je vous invite à aller voir son site. Donc ça, c'est on est à Boston, et c'est une représentation de Boston, et comme Boston est le siège de New Balance, ça allait être ma question. C'était, bah voilà, donc okay. New Balance, c'était pour la 574, donc tu vois, en fait, t'as plein de détails de la paire qui sont là. Là, t'as le 574 qui est marqué. Okay. Là, t'as le dessin de la New Balance et c'est une vraie représentation de Boston. Il y a eu 30 pièces là-dessus qui sont sorties. Il est magnifique le tableau. Ouais, ouais, c'est très cool. J'adore. Et franchement, le mec fait des choses assez incroyables. Et c'est surtout un mec hyper abordable et très cool, quoi. Et c'est un Français. Ouais. C'est un Français, ouais. Okay. Tout à fait. Du coup, il y a encore une petite partie de ta collecte ici. Ouais. Beaucoup de Diadora, Azix. Bah là, j'ai mis effectivement ce pourquoi aujourd'hui, moi, je suis assez fan de la basket. Hein, c'est qu'on a des choses assez incroyables chez Diadora et chez Azix. Okay. Même si aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans cette mode-là. Moi, c'est j'ai toujours un inconditionnel depuis toujours. Donc, j'ai pas ramené les vintage parce que j'ai beaucoup, beaucoup de vintage Azix, comme on peut en avoir chez Nike en running. Alors ça, c'est une Copito. La Copito, en fait, c'est une Diadora qui est sortie il y a 2-3 ans, donc avec un shop qui s'appelle 24 Kilate, que vous connaissez probablement. Et en fait, l'histoire de cette paire, elle est marrante. Copito, c'était un singe albinos qui était aux eaux de Barcelone. Et c'était vraiment une icône de Barcelone. Et pour le coup, quand il est mort, Barcelone était en deuil, etc. Et donc, 24 Kilate, qui fait toujours des paires un peu sympas, et ben en hommage à Copito, ils ont fait une paire dans le coloris singe albinos, yeux roses. Franchement, ils l'ont respecté, hein, parce que les matières, elles sont incroyables. Elles sont calées. Mais les matières... Et là, il y a un peu de... genre un poil, tu vois. Pas père animal, mais les matières Diadora, pour le coup, toutes les collabs, c'est du made in Italy. Okay. Dès que tu rentres dans du made in Italy, t'es dans des coloris de fou, t'es dans des. Et surtout dans des matériaux et des finitions de dingue. C'est des finitions incroyables. Diadora, en termes de finition, c'est assez incroyable sur les collabs. Tu vois, en collab, c'est quelque chose qui est assez confidentiel. C'est quelque chose de très, très confidentiel. Merci Marco pour la passe, il se reconnaîtra. Oh, c'est beau ça. Donc ça c'est pareil, hein, c'est Barcelone toujours. Elle est incroyable. Et le code couleur, il est fou. Hein. Alors en fait l'histoire c'est pareil. À Barcelone, il y a une coutume en fait y a comme, alors je sais pas comment ils appellent ça, mais tu sais où ils font des pyramides humaines. Et en fait ça c'est le colorway en fait d'un des groupes qui font ces pyramides humaines à Barcelone. J'ai vu dans la boîte, c'est ça. C'est... Donc t'as le, tu vois, ça. Là tu vois, regarde, t'as ça. Et ça en fait c'est un truc qui est assez cool. Et t'as le bandana en fait parce qu'ils ont tendance à mettre des bandanas. Je pense que c'était surtout du Friend and Family. Voilà, et c'est typique le truc que j'aime pas, où derrière, il y a eu quand même une spéculation sur cette paire qui a été assez incroyable. Bah aujourd'hui, une paire comme ça vaut 800-900 euros, alors que ça vaut pas le coup, quoi, tu vois. Ouais. Mais c'est juste le côté C'est le côté limité, Friend and Family, etc., etc. Voilà, c'est une paire qui vaut quand même pas mal d'argent. Je trouve ça dommage. Alors ça, c'est la Félix Le Chat. C'est pareil, c'est une collab qui a eu, qui vaut rien. Hein. Bait qui a fait ça. Donc c'est un colorway, tu vois, avec dedans Félix Le Chat. Elle est assez cool et je l'avais acheté d'ailleurs, ils l'ont sorti en baby et je l'avais pris à mes schtroumpfs. C'est de la paire made in Italy. Pareil, hein, qualité extra premium. Voilà, c'est assez fou, quoi. Ça, pour le coup, on est dans...
Oh, le cuir. Là, on est dans le... Donc ça, c'est une collab avec Canon. Ils en ont fait deux. Ça, c'est la Saturday Special. Pareil, ça, c'est une paire qualitativement et en termes de colorway qui est incroyable. Bien, ouais. Elle est magnifique. Pour le coup, là, Diadora, la vérité, ouais, tu vois. Au niveau code couleur, ils sont bons. Non, ils sont très bons. Ils sont toujours assez en packaging. Ils te filent toujours un petit sac un peu sympa. T'as toujours des lacets, 3, 4, 5 paires de lacets avec. Attends, c'est très, très cool. Je vais vous montrer ça parce que pour le coup, ça, c'est... Donc ça, c'est la Saint-Alfred. C'est une collab qui est sortie, c'est une très belle collab. C'est une paire qui cotait pas mal, qui continue d'ailleurs à coter un petit peu. C'est la Gel 3 Saint-Alfred, c'est une très 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 belle paire. J'aime beaucoup le colorway, c'est pareil. J'aime bien le côté, on dirait un vieux film. Ouais, tu vois. Et pour le coup c'est pareil, hein. Regarde les qualités, les matériaux, l'intérieur full cuir. Ouais, juste ce qui me dérange, c'est ASICS Gel Light 3, c'est ça. Bon, le pas de languette, j'ai eu une paire que j'ai filée à Elsie. Et bah tu sais quoi, moi c'est ça que j'aime. En fait t'es comme dans un chausson, donc t'es vraiment 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 à la cool. Ça c'est vraiment très 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 Gel Light 5, je suis fan. Ça c'était une des collab Ronny Fig, c'est pareil. Alors ça c'est une saga, c'est pareil, ça vaut rien, hein. Ça vaut plus rien. C'est une paire qui valait un petit peu. Quand même, non. Mais moi j'aime beaucoup le colorway, j'aime beaucoup la paire, c'est pareil, hein. J'attends l'occasion de la porter. Comme tu peux le constater, je suis assez flashy dans les couleurs, parce que je trouve qu'en fait une paire de baskets elle habille. Tu peux être habillé de manière très sobre. Merci monsieur. Et tu mets une paire de baskets qui est un peu flashy. Merci. Et ça fait la blague. Tu vois, pareil, ça c'est une paire qui a été pendant très 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 longtemps sous-estimée en termes de colorway. Et mais la paire est c'est pareil. On est dans des qualis extrêmement premium. C'est donc doux. Celle-là, elle est pas portée, mais j'en ai trois paires. Hein, donc de la même. Ouais, la même. Tu doubles souvent, triples. Je double, je triple. Ouais, ça m'arrive. C'est quoi, c'est par rapport au... T'as peur de... Non, c'est parce que ça, par exemple, ça a fini en solde à 80 balles et que encore une fois, il faut pas oublier. Enfin, il faut pas oublier. Je sais pas si vous le savez, mais moi, je suis en 6,5-7. C'est la guerre. Le nombre de personnes, de gros collectionneurs en 6,5-7, il y en a énormément. En fait, c'est une communauté le 7 US. T'as beaucoup de nanas qui collectionnent, des grosses collectionneuses qui sont en 6,5-7. Les asiatiques, qui, eux, sont des gros qui sont acheteurs, des très gros acheteurs, très gros collectionneurs qui sont en 6,5-7, ce qui veut dire qu'en termes de concurrence, on est plus concurrencé que n'importe qui d'autre sur des modèles. Ça veut dire quand tu peux du coup doubler, quand tu peux doubler et que t'y vas, et ben voilà, tu te fais plaisir. Il y a ça aussi qui m'intéresse là-bas. Ouais, là-bas, on est donc assez, je te dis, je suis très partisan de tous ces trucs-là. Ça, c'est assez marrant. Ça, j'ai eu ça sur un site de vente aux enchères, mais un genre Drouot, et c'est un fake. Je l'ai payé presque 300 balles. Ah ouais. Ça vaut 30 balles, tu le trouves sur eBay partout. Et j'étais sûr que c'était un vrai. Et voilà, donc je me suis fait avoir. Et en fait, à Drouot, quand t'achètes du fake, hein, tu te le gardes en fait. Ah, okay. Tu peux pas. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour, c'est terminé. Mais c'est marrant. Ouais, je trouve ça assez cool. Et en fait, t'as vu là, ils ont ressorti un peu les causes justement. Là, il y a eu une grosse sortie Asiat cause. Ouais. Assez sympa, qui ressemble à ça. Là, on est dans un petit 1000 Amber Brick Rolling Stone. Il a, je sais pas, il date de 2008. Celui-là, il a 10-11 ans. T'as beaucoup de briques comme ça ? Ouais, j'ai pas mal de briques en 1000 à la maison. Et ça, en 400, là, j'en ai quelques-uns. Et mes fils sont mis au 400. Amber Brick, tu vois, justement, par rapport à ça, ça reste assez confidentiel. Un pack qu'ils avaient sorti pour l'album live de Daft Punk. Et ils avaient sorti ça en 100. Celui-là, pareil, assez limité, assez cool. Oh là là, j'avoue, je kiffe. C'est assez cool. Ça, c'est très dard. Et après, bah, tu vois, j'ai les versions un peu plus grosses. Exactement les mêmes en version un peu plus grosse, assez cool. Voilà, ça c'est des trucs que j'aime bien. Et est-ce que tout ça là, tes objets d'art, ouais, tes toys, même tes paires les plus limités, est-ce que tu vois ça un peu comme un placement? Est-ce que tu te dis qu'un jour, non, bah, tu sentiras la vieillesse et tu te diras, vas-y, j'ai plus besoin de tout ça, ça vaut de l'oseille, tu vois? Ouais, ça vaut de l'argent et ça vaut rien en même temps. Tout est question de hype à un instant T. Dans 10 ans, ça vaudra peut-être rien, ça vaudra peut-être de l'argent. L'art, d'un point de vue général, c'est du placement. Bien sûr. Là, on est plutôt, tu vois, on est dans de l'art, mais c'est je trouve que c'est un placement, éphémère, parce que si ça, demain, tu veux le vendre, tu peux le vendre un billet, tu vois ce que je veux dire? Peut-être pas dans 10 ans. Après, est-ce que ça vaudra autant que ce que je l'ai acheté? Est-ce que ça vaudra plus, que ça vaudra moins? Pour moi, ça reste de la déco, ça reste de l'accessoire, assez cool, j'aime bien. Le jour où j'aime plus, je les vendrai, je les donnerai, tu vois. Ouais. Du coup, on a visité, j'allais dire, on a visité ton chez-toi, mais non. Enfin, c'est ton deuxième chez-toi, on a visité ton bureau. Je passe beaucoup de temps ici, donc... Je pense que c'est cool, tout le monde aimerait être au bureau avec ses affaires, tu vois ce que je veux dire? Comme ça, t'as peut-être pas le seum de venir travailler. Exactement. T'es content, tu vois. Bien évidemment, on va finir sur ce top 5 de qualité. Ouais. Parce que moi, je l'ai vu le top 5, donc je peux vous dire, il est de qualité. Quand on va aller s'installer, on va faire ce petit top 5. C'est cool. C'est parti. Suite. Du coup, commençons. Commençons, Cyril, montre-nous un peu ton top 5. Alors, en partant de tout en bas. Ça, j'ai été très surpris, en fait. Moi, je suis pas du tout dans les nouvelles technologies en termes de basket. Mais pour le coup, quand j'ai vu cette paire, j'ai craqué. C'est une ZX 4000 C4D, enfin 4D grey. Thank you.
Le colorway est complètement dingue en termes de finition, en termes de matériaux utilisés. Alors je sais pas ce que ça vaut dans le temps. Nous, par contre, la paire, on s'est posé la question. On a fait l'unboxing de celle que Elsie a au pied là, et on s'est posé cette question. Genre dans le temps, est-ce que la semelle peut-être elle va s'affaisser, tu vois, des trucs comme ça. En tout cas, ouais, les matières sont folles. Le colorway, il est incroyable. Le colorway est dingue. Ça me rappelle un peu les, là on est en ZX4000, mais moi ça me rappelle un peu dans les colorways, dans les trucs, ça me rappelle vraiment les Adidas vintage qui pouvait y avoir, les ZX400, les ZX700, tous ces trucs là, ça me rappelle un peu ça dans les matériaux, dans les trucs, c'est très très cool. Et franchement, ça c'est une paire pour l'été qui est incroyable, qui est vraiment incroyable. Je suis pas trop Adidas, je suis pas trop Yeezy, je suis pas trop ça, mais pour le coup, cette paire, quand je l'ai vue, j'ai flashé. Le retail est très cher. C'est 350€ le retail là-dessus. Il n'y a aucune hype, ce qui tombe très bien, donc j'ai pu trouver ma taille. Non, c'est vrai. Je me suis creusé la tête en fait parce que je voulais un peu faire une diversité de marques. Ouais. Parce que je trouve que c'est bien de... Moi, je suis assez, comme je l'ai dit, je suis multimarque. Je ne suis pas focalisé sur une marque en particulier, même si Nike, bien évidemment, ressort particulièrement du lot. Mais voilà, je trouvais que cette paire, bah, de par ce qu'elle représente, c'est-à-dire un peu, c'est un peu un hybride entre l'ancienne et la nouvelle génération en termes de coloris, avec une nouveauté technologique, voilà, je trouvais ça vraiment très 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 cool. T'as porté encore? Pas encore. Je sens que ça va être... Parce qu'apparemment les gens ils disent au niveau du confort, c'est pas terrible. Bah Jérémy, tu vois, Jérémy, on a fait l'unboxing, il nous a présenté la 4D, la toute première. Ouais. Et il a dit confort, bah genre par rapport à l'Ultra Boost, c'est pas ça, tu vois. Non, c'est pas ça. Après, je pense qu'il y a aussi un problème de poids. Jérémy, il est assez fin. Moi, je suis un peu plus costaud que lui. Donc en termes de poids, je pense que je vais un peu plus écraser. Et peut-être que c'est là où le confort. Là où ça sera peut-être un peu plus. Ben Koshy, si tu nous entends, essaye là. Du coup, la suite, c'était donc la 4D, mesdames et messieurs. Ça, c'était la 4D. Après, on va partir sur Diadora. Hein. Je vous ai parlé de Diadora. Et pour le coup, alors, j'ai pas retrouvé la boîte. C'est la Diadora Purple Tape, aka Rekwon. Pour le coup, cette paire, eh ben franchement, pour moi, c'est le summum. On est sur du monochrome. C'est un hommage à son double album. Le nom m'échappe. C'était un CD recto verso. Et dans cette paire, hormis le colorway qui est quand même particulièrement beau, mais vraiment, particulièrement beau en full monochrome comme ça, full purple, vous avez l'intégralité dans la semelle des titres. Ça, c'est un bon délire, ça. Et donc, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, la particularité de ces paires, c'est qu'on est sur du made in Italy. Donc on est sur de la paire de quali de fou, d'un confort incroyable. Ouais. Moi, c'est ce que je recherche. C'est vraiment le confort, le fait d'avoir une paire qui un peu sort du lot quand même un petit peu. Et c'est vrai que personne ou peu ou prou personne, hormis des collectionneurs, porte du Diadora. Et encore moins cette paire qui a été limitée, je crois, à environ 300 paires. À peu près. Ça fait la différence de fond. Ouais, c'est cool. Ça fait la... Tu sais, quand tu marches... Le parental advisory, c'est vraiment très, très cool. Et du coup, j'avais lu que c'était sorti... ils avaient fait une soirée. Et Rekwon... Qui s'appelle une boîte à New York. Ouais, c'est ça. Et en gros, il avait fait un show et tout pour la sortie. Exactement. Et après, quelques jours plus tard, elle était dispo online, mais en très peu de quantité. C'est ça. T'as la date de l'album qui était 1995, qui était là. Voilà. Du coup, la suite, c'était la deuxième paire Diadora Rekwon. Sur la troisième paire, je suis allé chez ASICS cette fois-ci. Et pour le coup, je suis allé chercher cette paire de fous qui est une saga ASICS Saga Pata. La matière sur le talon, elle est très cool. La matière est très cool, cette paire est incroyable. Pour moi, c'est très simple, hein. On va se dire la vérité, pour moi, c'est la paire d'ASICS la plus réussie de tous les temps. Ok. Voilà. Tu parles au niveau colorway, qualité, tout, matière. C'est vrai que là, ils ont mis encore une fois du hyper animal. La saga est une paire qui est mal aimée chez ASICS et qui est pourtant d'un confort incroyable. Shape assez cool. On retrouve sur les lacets et sur la paire les petites croix de Pata. Pata, on va pas refaire l'histoire de ce shop, mais qui a fait chez Nike les plus belles collabs en Nike Air Max. Hein. D'accord. Et pour le coup, c'est une paire dont on parle trop peu et que je trouve vraiment. C'est un basique pour moi à avoir pour tout collectionneur, fan d'ASICS. Si on n'a pas ça, on peut s'arrêter. Ouais. Voilà. Vous avez compris, ici, les gens d'ASICS. T'as un petit peu de poney ici, ou je sais pas ce que c'est, du pony air. Vraiment, c'est une paire qui est incroyable. C'est du bimatière, trimatière, intérieur full cuir, vraiment assez incroyable. Elle est très cool. Elle est très cool. Et ça, par contre, tu rock à fond. Ça, je rock. J'ai aucun souci à rocker ça. Et ça, c'est quelle année, ça? Je sais pas, c'était il y a 4 ans, ça. C'était du 2015 ou 2014, je pense. Paire
très cool. Il y a d'autres jeux de lacets. Ouais, t'as trois jeux de lacets. Et sur les lacets, en fait, t'as le petit pata qui apparaît. Ouais, voilà. Mais t'as bien fait de mettre. Je trouve que ça rend la terre un peu folle, tu vois. Le truc qu'il y a, c'est qu'avec ces lacets, comme les lacets ils sont peints, en fait, ça a tendance à accrocher un peu et ça, voilà. Mais après, ouais, c'est très très cool. Alors la suite, on va aller chez Nike. Hein. Mm. On va pas se leurrer. Et pour le coup, donc là, unboxing total parce que vous pouvez constater que cette paire n'a pas été encore mise. Et donc c'est une blazer Stussy de 2002. Cette paire, en fait, elle représente tout ce qu'est Nike. Elle représente Nike parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la blazer, bon là on est sur une middle, mais la blazer a été la première paire de Nike porté sur les parquets de la NBA. Historiquement, c'est quelque chose. C'était 73, c'est historique. Premier, c'était un mec qui s'appelait Iceman. Je sais plus du tout tout le nom du mec qui a porté ça. Beaucoup trop jeune pour t'aider. Mais c'était en 73, le mec s'appelait, son surnom c'était Iceman. Et c'est lui qui a été le premier à introduire la blazer sur les parquets. Paire qui a été bien aimé d'abord, puis un peu moins. Et en fait, elle est partie derrière dans les collections SB, etc. etc. Ouais. Mais cette paire, en tout cas, reste pour moi un des mythes de chez Nike parce que c'est aujourd'hui, regarde, on le voit là, hein, on a notre ami Sakai qui vient de sortir de la rétro. Et pour le coup, voilà, on est en plein dans le phénomène rétro, etc., etc. Donc ça, c'est la Turbo Pink en coloris. Et il y a la deuxième. Et ils avaient sorti un pack en 2002. Et c'est des coloris qui sont vraiment, vraiment, vraiment incroyables. Ça reste pour moi une icône mode, basket, streetwear par excellence. Et c'est vraiment, vraiment... Et ce coloris est complètement dingue. Pareil, on va parler au niveau de la paire en elle-même. Les matières sont... Les matières sont folles. Ça, je suis un peu moins fan du colorway, mais celui-là, je le trouve incroyable. Tu sais, ce bleu avec le rose qui fait du coup tout ressortir. C'est ça. Je suis fan de fou. Et puis le shape. Hein, le shape. Historiquement, c'est une paire de malades. Et au niveau du shape, c'est encore pire. Voilà. C'est vraiment bête de paire. C'est 2002 et c'est pas encore OK. Bientôt, qui sait. Un jour, oui, sous un coup d'énervement. Et là, on arrive. Et là, on arrive au number one du number one. Tiens, je t'en donne une pour toi, une pour moi. Attention à ce que tu dis, je te prends au mot. C'est pas ta taille. C'est vrai. Et donc là, on arrive sur ce que représente pour tout collectionneur averti. On appelle ça un Graal, mais pour moi, en tout cas, c'est mon Graal. Jordan 1, Chicago de 85. Donc ça, c'est l'original. Elle est très propre, j'en prends soin, même si je les rock. Hein, c'est des paires qui se rockent sans problème. Alors, je vais pas dire que je la rock tous les jours, mais c'est une paire que je peux rocker assez régulièrement. Et j'en prends grand soin parce que c'est extrêmement rare. Surtout dans cette taille, c'est un 6,5. Ouais. Donc c'est extrêmement compliqué à trouver. Ok. J'ai vu des paires passer sur eBay, moi, à des prix de 4,5 à des prix. Mais en fait, ça a pas de prix. Le prix, c'est ce que le mec est prêt à mettre dedans. Voilà, c'est ça. Bah, pour moi, l'histoire de la cote dans la basket, c'est ça. Tu sais, genre, ce qui fait qu'une Yeezy, elle a coûté 800 euros, c'est qu'un jour, un mec l'a acheté 800 euros et que du coup, les gens se disent, elle vaut 800 euros. Exactement. Pour moi, c'est ça. Et j'ai l'impression que le fait que tu la portes, ça la laisse vivre un peu, tu vois. Bah, ça la laisse vivre et après, je l'hydrate. Hein. Ouais. Ça, le cuir, c'est comme tout. Hein. Si on l'hydrate pas. Tu peux hydrater le cuir, il faut y aller mollo. Moi, je l'hydrate un peu pour que ça craque pas. Ah, donc t'es quand même dans cette démarche de la faire vivre. Celle-là, oui. Après, le reste, je m'en fous, mais celle-là, ouais, bien évidemment que j'ai envie clairement de les conserver et même d'en avoir d'autres si j'y arrive, ce qui n'est pas gagné. Voilà, parce que ça n'a pas de prix. Donc comme ça n'a pas de prix, tu peux tomber sur une occasion incroyable comme tu peux tomber sur quelque chose qui va valoir 2 000-3 000 $. Et ça, du coup, c'est 85 et tu l'as acheté en 85 Non. Ou plus tard. Alors en fait, j'en ai plusieurs de 85 sur ce modèle-là. Celle-là, en fait, je l'ai acheté il y a 4-5 ans. J'ai acheté un lot. En fait, j'en ai acheté deux. J'ai acheté celle-là et la Bred. J'avais pas payé ça très très cher. Tout est relatif, mais je crois que j'avais payé entre 400 et 500 euros pour cette paire. Pour être honnête, ça va. Hein. Chaque. C'est très honnête, surtout quand tu vois la cote aujourd'hui d'une Bred d'il y a 2-3 ans. Justement, je suis passé à côté d'un article sur internet où il y a un mec qui vend celle-là, 6,300, tu vois. Ouais, c'est possible, ouais. Voilà, et là, j'ai raté une occasion assez récemment sur un japonais qui vendait 5-6 paires dans ma taille, mais les prix étaient c'était beaucoup trop, c'était pas possible. Mais voilà, et on va se dire, si aujourd'hui on est tous là en train de se papoter et de discuter autour de la basket, c'est ça. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui il y a un engouement. C'est encore une fois, tu l'as dit, hein, c'est le fameux coup de com Nike ou pas, mais en tout cas, ce coup de com a fait qu'aujourd'hui, clairement, si on est tous réunis, et c'est grâce à ça.
Du coup, c'était le top 5 de notre ami Cyril. Donc, on rappelle, Cyril, 45 ans, 25 ans de sneakers derrière toi, de collection. T'es vraiment un amoureux. Et puis, à côté de ça, tu kiffes parce que tu t'achètes des toys, des trucs en rapport avec Nike, avec l'histoire. Je suis resté un enfant, en fait. C'est aussi simple que ça et c'est cool. Important. En tout cas, c'était un vrai kiff pour moi et pour nos deux caméramans. C'était plaisir de vous montrer. Et j'y croyais pas, moi, qu'un jour t'allais accepter. Parce que ça fait un petit moment qu'on se croit, je sais qui tu étais, tu vois. Et je pense que Ben, il t'a un peu, tu vois. Ouais, il m'a poussé et en même temps, c'est vrai que moi, je suis pas trop médiatisé, je suis pas sur les réseaux, enfin un petit peu, mais très peu. Mais les gens qui sont dans la basket me connaissent, c'est sûr. De votre côté, dites-nous ce que vous avez un peu pensé de la collection de Cyril, de sa façon de consommer, parce que c'est une autre consommation, je pense pas qu'on ait déjà eu ça. Et est-ce que vous êtes fan d'art? Est-ce que pour vous, tout ça se rassemble dans une seule et même culture? Donc vraiment, merci encore Cyril. Bah, merci et puis, à vous. Dites-nous ce que vous avez pensé dans les commentaires, donnez-nous vos avis positifs, s'il vous plaît, ou négatifs, mais sans gros mots. Merci beaucoup. On se rejoint pour CLSDLV, mais Neba Banks.